Bon, mais j'en sortais, venez vous-même. Écoutez, Tata Lolo tape ses compresseurs et son président et Clarisse Yenga ont tout fait pour l'enfermer au Cameroun. Ça n'a pas marché au point d'accuser qu'elle a binda avec le commissaire. En même temps, elle fait la promotion de Fleur de Lille et tape ses Camounika Dia de ne pas se détourner, que sa cible, ses compresseurs. Et Tata Lolo dit carrément que si la tête cassée de compresseur continue à la caricaturer, elle va aller sauf que dénoncer compresseur comme quoi elle roule avec un faux permis et que c'est Macabo qui a fait tout, même sa carte grise, comme quoi son permis c'est un permis tchadien ou alors un permis camerounais. En tout cas, la famille, venez vous me vous dire que la paix est bien. Il va vous envoyer pour le parquet, c'est là-bas qu'on va partir et la téléphone il va parler. Vraiment, Lolo Gloria, vous ne pouvez pas publier la demande, vous pouvez publier la demande à la dernière fois. Si vous pouvez la demande à la dernière fois, j'ai dit avec le maire que je paye le budget au Cameroun, je paye mon billet d'avion, je ne vais pas payer le maire, je paye mon billet d'avion au Cameroun, publiez quoi. Vous avez le mandat d'amener, vous avez le mandat, jusqu'à l'autre dit que les numéros ont fait effet. Quel numéro? Il y a le fait des numéros dans les procédures judiciaires. Il y a les faits des numéros dans une procédure judiciaire. Quand tu prends quelqu'un, le... et moi aussi, je respecte le combat des activistes. Sans plus moi me mêler, sans plus faire le juger, chacun est dans son pouvoir. Je ne sais pas si c'est la baisse du ministre. Hein? J'ai la baisse de nom du ministre, la baisse du ministre, c'est d'autres. Comme je suis pauvre là, j'interdis à mes frères de demander l'argent. Interdiction. Même quand j'ai mon frère chez un bengueté, tu ne demandes rien. Rien. Parce que d'abord, et même mes petits frères, hey! Mais puis il ne même pas. Quoi? Mon père, tu l'offres, tu donnes la boîte, puis il a même terrain de visiter un problème que la vie de l'homme ne veut même pas entendre. Parce qu'ils ont nous avons cette fierté-là. Et quand même, mon petit frère va entrer dans les e-bourses déjà, que devait 50 euros, pardon. Ou ma petite soeur, ou ma petite cousine m'a dit là, jamais de la vie. Jamais. Personne. Comme dans vos familles, vous venez vous asseoir dans Facebook, dites que vous êtes les pires que des familles, parce que vous avez noici la vie de vos frères et vos soeurs. Vous avez dit qu'il n'y a que vous. Quand un veut sortir du lot, vous partez chez les marabouts pour acheter. Quelqu'un veut venir en Europe, vous avez la cause de les amener en Europe, vous avez la personne qui je ne suis pas Biquet. La soirée de la légende. La légende, je l'ai appelée la légende parce que j'ai regardé, j'ai observé, j'ai vu qu'avant elle, il n'y avait personne. Et elle a fait tout. Elle a donné le courage. Je vous dis, que ce soit dans le clash, que ce soit dans tout, elle a porté beaucoup dans le blog africain. Je dis bien africain, je mentionne africain. La marque au fleur de l'île, c'est une légende. Dans chaque domaine, il y a des légendes. Dans la musique, il y a des légendes. Dans le football, il y a des légendes. Même dans votre boulot, il y a des, dans tout domaine, il y a des légendes. Dans les réseaux sociaux, c'est Mayanseur, la marque au fleur de l'île qui est une légende. Parce qu'elle a traversé les frontières du Cameroun. Elle a traversé les frontières du Cameroun. Elle a influencé des influenceurs hors du Cameroun. Nous connaissons les 6-5 étoiles. Oui, nous connaissons les 6-5 étoiles. C'est une Ivoirienne que ma danseur a influencé dans le bloc. Il y en a plein. Je vais citer qui est ici qui. Que ce soit dans le clash. Parce que Meta, que vous voyez là, Meta c'est tout ça. Meta c'est le clash. Meta c'est tout. Dans les réseaux sociaux, c'est tout ça. On qui bloque, on appelle les réseaux sociaux. Il y a les clashs, il y a les mariages, il y a tout, il y a la sorcellerie, il y a les pasteurs, il y a les marabouts, il y a tout ça dans les réseaux sociaux. Donc on bloque tout ça. Elle a impacté beaucoup dans le blog africain. Et dans ce blog africain-là, je l'appelle la légende. La légende des réseaux sociaux. Qu'elle soit amie avec moi aujourd'hui, qu'elle change de nom après demain, je vous dis que je ne changerai pas ce nom. Même s'il arrive, je ne vais même pas prononcer le si-là. Parce que pour moi, ça ne doit pas arriver. Elle reste la légende des réseaux sociaux. Et l'année dernière, vu qu'elle avait lancé sur nous, on ne s'entendait pas avec elle, il y avait des problèmes. Comme c'est le game de Facebook qui a tous les problèmes. Nous ne l'avons pas accompagné. Je pense que c'était une erreur pour la communication. Parce qu'en tant que les gens des réseaux sociaux, en tant que celle qui fait du blog, c'est que beaucoup de Roger Mila a fait du ballon, Samuel Eto'o a fait du ballon, Mona Jula a fait du ballon, Messi a fait du ballon. Elle devait plutôt inviter tous ses collègues de blogueuses. Et avec du recul, elle a compris qu'il y a des choses que je dois arranger pour la prochaine édition. Elle a compris qu'elle était manipulée par une bande de personnes qui boycottaient son événement derrière le dos. Aujourd'hui, nous sommes en paix. Et je vous invite. Mais le Lomania, je ne vous parle pas avec les lèvres. Je vous parle avec le cœur. Ok? Je vous parle avec le cœur. Parce que Mayam, c'est quelqu'un que je connais. Je l'ai déjà étudié. Le fond n'est pas méchant. C'est une femme qui est née bonne. C'est une femme qui est née avec une gentillesse qui n'a pas de dormir. La vie l'a transformée. Parfois, elle fait des choses. Parfois aussi pour se défendre. Parfois aussi pour se battre dans la vie. Parce que pour se battre dans la vie, nous rencontrons beaucoup. Nous rencontrons beaucoup d'obstacles. Parfois, tu peux te retrouver à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de le faire. Parce que tu veux te battre. Parce que tu vas arriver. Et même dans les combats de Facebook, qui c'est les gens qui ont été fiers d'avoir insulté maman? Personne. Et seulement si tu as gagné les comptoirs des marchés à Mokolo, que tu peux être fier, parce que les gens à sont fiers, ils disent, suite, ils ont gagné dans la rue. Un enfant qui a une éducation d'un père du maire, ne peut pas se lever matin, insulter une mère sans. Même avec le temps, tu vas te sentir mal. J'ai dit si, j'ai dit félicitations à la papa, qui a tenu un très un bon discours hier où elle a dit qu'elle a insulté maman qui ne l'a jamais répondu. Parce que maman, elle n'en comprend pas ce que nous on dit. Elle va nous répondre comment? Et que ça sera sa façon de se racheter, c'est de vendre les pays d'accompagner sa fille dans son projet. C'est bien ça, la neige. Et moi, j'ai dit un jour, quand elle a fait une connerie contre moi, elle va aller attacher maman, j'ai jamais insulté. Il y a qui peut être fier d'avoir insulté maman. Quand j'ai parlé de la mère de maman, la mère de Doudou et Gamassi, là, je vous mens pas que j'ai fait 24 heures, je n'ai pas trouvé le sommeil. J'étais perdu. Je ne vais pas mentir. S'il y avait faute, je vous l'aurais dit.
Il n'y a pas une faute à cette procédure. La procédure a été à la norme. Je suis arrivé, on a lu ma plainte, et je disais ce qui était dans ma plainte, la personne dit que je mens. Alors que c'est un commissaire qui a lu cette plainte-là. On a lu ma plainte. On a lu ma plainte, et le commissaire m'a dit, l'enquêteur n'est pas là. L'enquêteur n'était pas de service ce jour. Il a demandé à sa secrétaire d'appeler l'enquêteur, parce qu'il y avait un avis de recherche qui devait lever cet avis de recherche parce que la fille est venue se présenter. L'enquêteur est dans son bureau. J'ai été entendu sur procès verbal. Où est le trafic d'influence, mes chers frères et sœurs? Au point où le trafic d'influence. Pour vous, je serai au Cameroun parce que je vous ai volé, mais c'est lui. Mais vous avez appris ça. C'est à quel niveau? Parce que vous avez dit qu'elle m'a volé, elle m'a escroqué sans preuve, oh mais c'est lui. Pour vous, c'est ça. Là, il aurait fait son travail. Non, il n'aurait pas fait son travail. En Europe, hein, la police fait ça en Europe. Le civil, la personne peut prendre la police il sera dédommagée. Vous savez pas ça? Mais ils ont fait très bien le travail. J'étais même très surpris qu'au Cameroun, ça s'est passé comme ça. J'ai dit big up au père de la police. J'ai dit big up à cette gens du Cameroun qui savent que le Camerounais, tout Camerounais, est dans ses. Ils font un très bien un bon travail. Mais vous ne pouvez pas dire merci, vous ne pouvez pas encourager ces autorités-là qui travaillent déjà bien, sans trafic d'influence, sans zèle. Et vous ne pouvez pas encourager ces gens-là. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont fait un bon boulot. Mais attends, le gars m'a écouté. Non. L'histoire, j'ai même envie de déclencher, quoi. Voilà, il like. Quand l'histoire arrive dans ma tête, j'ai envie même de finir ma tête. Hein? À quel moment il y a eu trafic d'influence cette affaire? Trafic d'influence, c'est où? À l'éveil, c'est où? À quel niveau? Même ici en France, où vous habitez en France, on vous a mis en prison parce que vous devez quelqu'un. On vous a déjà mis en prison parce que vous devez quelqu'un. On vous a mis en prison, vous écoutez. On a déjà attrapé quelqu'un de haut point, on te porte, plaidé, on te met en cellule sans t'écouter. On t'écoute. Mais attends, c'est terrible. L'enquêteur est venu, il a fait son travail. Il a des confrontations demain. Mais dans la confrontation, l'enquêteur a bien vu qu'il y avait beaucoup de failles. Il y avait beaucoup d'incohérences dans le dossier. Il a vu. Cette fille vous ment. Parce qu'elle a honte. Elle a honte de ce qu'elle a manipulé le WAFO. Dans le dossier, elle a déjà envoyé 3 700 000. Mais avec un mandat, avec des souches. Comme la vidéo où elle ne met pas jamais, quand même, sinon elle ne met pas la vidéo là, on écoute pas ça ici, on écoute au tribunal. Pourquoi tu veux qu'on écoute ça là? Parce que c'est la partie de là que la honte devait commencer. La vérité, ok, signez, vous. On a tous signé le procès des balles, on se retrouve au tribunal, vous venez vous asseoir en fait, oh, mandat d'amener à qui? J'ai fait quoi? Pour avoir mandat d'amener, j'ai fait quoi? Je vous ai volé, mais vous êtes capable de donner les preuves de mon vol, avec la bouche, qui vous a dit que ça se passe comme ça dans le Cameroun. Et quand ça vous n'arrangez pas, elle a couché avec elle, elle parlait des robots, c'est les robots, c'est qui? J'ai parlé des robots depuis plus de 2 ans, vous connaissez que c'est qui? J'ai cherché quelqu'un qui couche avec vous. Donc un euro ne peut qu'être un copain. Il t'avait insulté. Nous sommes en 2022, 2024. Vous pouvez parler. La preuve est où? La preuve est où? Tu avais dit que je pars, j'arrive. Je vais vous envoyer ça demain. C'est là que vous que je vais amener les gens. Je vais venir avec les gens qui peuvent me témoigner. Quel gens qui peuvent me témoigner? Tu as dit que tu étais insulté sur Facebook, sur les caméras, en direct. Montre la vidéo, on voit. Il n'y a pas. La vidéo, il n'y a pas. Mais regarde, une blogueuse là. Elle a dit témoigner. C'est sa soeur là, sa blogueuse qui fait son appel à coup là. Son griot. C'est elle qui devait venir témoigner. Mais moi, je peux venir témoigner. Quelqu'un qui est mon adversaire venir témoigner contre moi. La preuve est où c'est numérique, tout ma cybercriminalité. La preuve est où il n'y a pas. Mais quelqu'un quitté de doigt là, avec sa voiture, il a oublié sa famille, il a oublié ses enfants, il a oublié tout qui pouvait l'occuper ce jour-là pour finir à doigt. Il y a eu des forces qui l'innocentaient dans les réseaux sociaux. Que dans ces forces, on disait qu'il ne va jamais draguer. Il a quand même pris le courage. Il pouvait faire l'accident. Il devait dire à sa famille qui partait où? Il devait dire à sa famille qui partait où? Pour venir affronter le groupe, pour montrer que maintenant, après Papo, c'est moi. Que c'est moi qui commande le Cameroun, mes beaux-frères sont les concurrents. Mais tu es venu trouver quelqu'un, un père, un homme, avec le grand H, un père de famille, au-delà de ses galons de commissaire, père directeur d'Interpol, il est un père. Il t'a dit ce jour, cette femme ne t'a jamais insulté. Je pense qu'elle est même, c'est une très belle personne cette femme. Je ne la connaissais pas, mais dès qu'elle avait mon bureau le vendredi, sa façon de faire, j'ai eu envie d'aller le fruit à boire. Il me disait tellement. Franchement, il regarde mon petit frère et dit, non monsieur, elle t'a jamais insulté. Bon, apportez-nous les preuves. Vous avez 24 ans. Nous sommes aujourd'hui, en 2024. Vous croyez que quand Dieu me sort de cette situation-là, c'est parce qu'il est fou? Vous croyez que en venant sur les coriaces, les kim, les femmes dures, c'est ça qui va apporter quoi dans ma vie? Si Dieu me sort de cette situation, c'est parce qu'il lit mon cœur. Il sait que cette femme, l'or, elle parle, elle crie. Elle aboie, mais elle ne ment pas. Elle aime son prochain. Elle est entière. C'est une belle personne. Elle est tout ce qu'on peut dire. Je ne vais pas vous compter le nombre de Camerounais que j'ai aidés en France, qui ont habité chez moi, les 1 an. Jamais payé une demi ou rien. Que je donne même encore l'argent, que va acheter les habits, va te coiffer, va envoyer ton faux pays. Je ne peux pas compter. Mais je ne dis pas. Parce que quand tu viens en aide à quelqu'un, tu n'as pas besoin de venir faire ça. L'arrestation, c'est ça. Même quand j'habitais, mon gars, il voit rien. Mon gars, il m'avait dit que ta maison, c'est l'ambassade. Ma maison! Lolo, maman, ma maison, je n'ai pas travaillé, je rentre à 2h du matin. Je rentre à 6h et crie les enfants, tu as couché. C'est quoi? Que
C'est toi qui n'as pas les carreaux. C'est toi qui m'a dit comment faire l'aide médicale. C'est toi qui dis comment faire l'assistance. C'est toi qui dis toi-même tu as signé le papier. Il était dépassé. Je peux l'appeler exactement. Les filles habitaient comme ça à la maison. Elles venaient de partout. J'ai gardé les enfants. C'est moi qui changeais leur couche. C'est moi qui donnais les biberons. Alors que ma part n'était pas là. Elles peuvent témoigner. Je pense qu'elles viennent de moi le jour que je vais mourir. Et c'est quand même dommage parce qu'elles peuvent témoigner en commentaire parce qu'elles point. Mais comment les humains sont comme ça, on fait comment? Vous croyez que Dieu. Je pars au Cameroun. Cette histoire de chez nous commence devant vous. Vous avez vu, vous, tout le monde, vous êtes tous conscients que c'est un coup monté. Mais comme vous êtes animés par la haine envers ma personne, vous voulez tout pour me voir taire. Quand je vais mourir, vous allez gagner quoi? Le diable veut distraire mon étoile. Le diable veut distraire. Le diable m'a tenté. Le diable ne m'a pas eu. Et il passe par qui? Mes plus proches. Pas ma team. Pas mes lolomaniens. Et il utilise d'autres personnes pour venir vous détourner. Soit disant que Monica a parlé de moi. Dans un voice, vous l'avez entendu parler de moi? Dans un voice, est-ce que vous l'avez entendu parler de moi? Oui. J'étais choqué parce que j'étais trahi quelque part. Elle est partie, elle causait avec quelqu'un qui me veut du mal. Sans se gêner, elle est à l'aise. Ça m'a fait du mal. Mais ce n'est pas pour autant que je vais en faire un problème. Parce qu'à la base, ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas comme si Monica disait que c'était la reine de l'Ouma, Julien Zombie. Ce n'est pas comme si c'était Carole Bohème. Ce n'est pas comme si c'était. Parce que Carole Bohème, je la connais bien. Ce n'est pas comme si c'était Rav Biaï. Ce n'est pas comme si c'était ma fille Michela Pepka. Ce n'est pas comme si c'était une de mes proches. Non. Ça va nous servir de la leçon et on continue à avancer dans la vie. C'est pas pour autant que je vais faire des tapas, des recevoir, mais on vous doit crier dans. Non! Je vous ai dit qu'elle et moi n'avons pas eu de confiance. C'est mère et fille. Tout à l'heure, j'ai des produits. Oh, je vends des parfums, je partage. Si on peut acheter, on achète. C'est là en direct. Si moi, son direct qui me plaît, je partage pas tous ces directs. Je peux partager en passant deux, trois, je partage même. Et puis ça va. C'est pas comme si c'était une de mes proches. C'est pas comme si c'était la Régime Baka ou Coco Kouetou, il y a un soeur, Fleur de Lille. Non! C'est une petite qui fait son blog. Elle était avec cette fille, elles sont perdues, elles ont coupé les contacts. Mais quand vous voyez bien, même dans la même, la fille reconnaît que c'est elle qui est venue la recontacter. De la couper les contacts avec elle, c'est elle qui est venue la recontacter. Et quand vous voyez même dans le bois, ce n'est pas de moi qu'elle parle. Elle ne parle pas de moi. Gonchal ne peut jamais parler de moi. Gringa, sans dire pipi. Jamais. Parce qu'elle est haineuse. Moi, parfois, je l'appelle un goussa. Je disais, pourquoi tu l'appelles un goussa? Elle t'appelle, je dis que bon, franchement, papa, j'oublie. Mais elle, dans une conversation comme celle-là, elle aurait mentionné mon nom de pipi. Mais quand tu écoutes les échanges, tu vas regarder, tu écoutes bien. Elle ne parlait pas de moi. Elle parlait de quelqu'un d'autre. Alors, je l'ai pardonné parce qu'elle a parlé avec cette fille sans me dire. J'ai pardonné. Et maintenant, je vais me méfier maintenant. Prochainement, quand elle va rencontrer quelqu'un, on a causé. J'ai causé avec Monica. Elle m'a dit, t'as voilà, je te comprends. C'est bien parce qu'elle m'a compris. Et après, elle a présenté ses excuses. Je vais l'en vouloir. Pourquoi elle m'a tué qui? Elle va démarrer ma fille. Elle vient dans le direct. Elle dit, ma fille, bonjour. Oui. Mais il aura plus de Monica. Je serai maintenant. Parce qu'à travers elle, j'ai compris beaucoup de choses. Bah, nous sommes là pour encadrer les jeunes blogueurs ou amener les jeunes blogueurs. Que même boum, t'es là. Isaac, c'est qu'il envoie. Elle est contente de voir Isaac en train de se détruire comme ça. Elle parlait avec Isaac. Si elle avait pris, elle dit qu'Isaac en parlait avec moi dans le noir. Elle ne veut pas agir comme moi j'ai agi. Est-ce qu'elle avait dit à Isaac qu'elle cousait cette fille? Non. De même, elle dit Isaac. Ah non, c'est ta mère. Elle ne veut pas vous faire des problèmes. Ma chérie, où tu es là-bas? Prends conscience, je te le dis. Quand tu m'appelles du village, prends conscience. Depuis que tu me laves, tu laves. Tu as vu rire de moi. Oui, qu'est-ce là? C'est la cicatrice d'une blessure que j'ai là depuis l'enfance. Regarde, c'est ça qui est possible. Fais très attention. Ton diable sera phénoménal. Tu as les combats attachés, c'est toi qui es attaché. C'est toi qui es attaché. Moi, je ne suis pas attaché. Le corps de la, c'est toi qui es attaché. C'était moi. C'était elle qui m'a pris. Que tu parlais avec moi, comme elle parlait avec Monica, dis ça. Elle ne veut pas gérer ça comme ça. Elle devait dire feu à volonté sur toi. C'est une femme sans scrupule. Elle est fière de le dire. Mais c'est dommage. Alors, c'est pour vous dire que le Romanien, stop. Laissez. Monica Jays fait son blog. N'allez pas l'insulter à mon nom. N'allez pas. Arrêtez ça. Elle n'a rien fait. Elle a fait un truc qui m'a piqué. Tout le monde est choqué. Je suis choqué par rapport à ce qu'elle a fait. Mais ça ne mérite pas. Elle est chargée sur sa personne. Elle parlait avec elle. Mais il n'y a pas eu de sabotage sur ma personne. Elle ne m'a pas insulté. Elle ne m'a pas dénigré. Elle n'a pas fait un coup monté contre moi. Mais bien au contraire. Elle m'a fait des parfums. C'est une cinquantaine de parfums. Et quelqu'un qui venait pour m'espionner ne peut pas m'offrir 50 parfums. Quelqu'un qui veut m'espionner ne peut pas ouvrir des traits, le chouli ensemble qu'elle m'a fait, que j'ai porté. Je dis, ma fille, j'ai porté ça pour toi, moi j'ai pas répondu, la vie qu'on m'envoie. Après, c'est le sabotage, elle m'a dit, ouais, ma mère. Elle m'a encore envoyé notre colis qui est venu, qui est parti, qui est reparti. Qu'un grosse pute nous montre ses mains dans un live où elle a dit que j'ai envoyé les parfums à Lolo. Où elle a dit que j'ai envoyé l'ensemble à Lolo. Où elle a dit que j'ai envoyé je suis à Lolo. Il n'y en a pas. La petite est arrivée, elle a aimé mon affaire. Elle a mis Gondjal de côté. C'est ça qui est la vérité. Alors elle mérite mon pardon. Elle mérite notre pardon. Parce que jusqu'ici, elle nous a pas vendu. Au départ, elle parlait d'Arim Gondjal. Après, elle est revenue vers nous. Elle est venue vers moi. Elle aimait mon affaire. Pourquoi elle n'est pas la pardonner? Pourquoi on fait des polémiques? Pourquoi crier sur les toits? Laissons Monica Thiers faire son blanc. Monica, t'as le noté. Rien ne va changer pour l'amour que je supporte.
Tu sais, Reine Vieille aussi, c'est ma petite soeur. Elle a sa liberté de penser. N'entre pas en classe avec Reine Vieille. N'entre pas dans ce qu'elle dit. Ce qui est plus important. Tu es venu suivre où? Tu es venu à l'Oumaya suivre qui? C'est moi que tu es venu suivre. Regarde-moi. Le reste de tes pas, ne les j'ai pas. Si tu peux te défendre sur mon chat, moi je dis ça toujours en direct. Je l'avais dit derrière. Même à la Lyon, j'ai dit défends-toi. Si tu peux te défendre de l'Oumaya, j'ai dit défends-toi. Je n'ai pas contre elle derrière. Si tu peux te défendre contre mon chat, défends-toi. Si le mal veut te soutenir, te soutiennent. Parce que la personne qui est dangereuse dans cette histoire, c'est Gonchal. Apprenez à analyser les choses. C'est elle la dangereuse. Et c'est facile à comprendre. Monica dit d'ailleurs sur la toile. Elle n'est pas le Romania. Elle suit Gonchal. Elle commente. Moi-même, il faut que je vais commenter là-bas. Elle commente là-bas. Elle pose avec elle à divorce. Gonchal commence à poser avec elle. Parce qu'elle interpelle parfois, il paye les chaussures. C'est toi qui vends les chaussures? Oui. C'est comme ça qu'elle commence à communiquer. Et c'est avec elle, j'ai escroqué. Elle m'a dit dans son direct. Elle m'a menti dans son direct. Monique a dit que moi, je l'avais payé 5 euros pour les étudier. Vous voyez pas que. Donc, elle suit le direct. Je suis parce qu'on est dans le direct. Monique a dit que tu as donné à une femme que tu avais escroqué de l'argent pour faire venir ses enfants au Cameroun. Elle a en Belgique 3 millions. Et quand la femme a dit que Monique a clashé Père de Luce pour toi, elle a entré à Nîmes pour Monique. Elle a dit à Monique que tu clashes Père de Luce pour toi. Et c'est pour ça que Monique a reçu la manager. Elle a envoyé 500 euros pour à Monique. Et Gondjal, et toi, la blogueuse, tu t'es partagé avec Monique. Le capture d'écran pour montrer le profil là, ce n'est jamais mon profil. J'ai trois profils. Un que j'utilise même parce que j'ai oublié le mot de passe. Lolo Fodja, Lolo Fodja, Piaï, c'est tout. Le reste là, c'est des faux comptes. Tu n'as jamais envoyé quelqu'un te clasher. Si elle a envoyé, elle devait blasser. Donc arrête de mentir, parler de toi. Donc je vous dis que la plus dangereuse dans cette histoire, c'est la blogueuse. La petite vient dans un blog, elle rencontre la fille. C'est la fille qui entre dans son livre. Où est-ce qu'elle a mis le capture d'écran? Elle dit c'est toi qui vends les chaussures parce qu'elle a l'habitude de la follow. Elle fait les commentaires dans son direct. Moi, j'ai vu Monique a commenté la première fois. Partagez le bouddhisme de Gondjal. Tu as vu? Donc elle vient de l'Oumaya, parce qu'elle parle de la fille, ah, laissez-moi un peu. Elle a commencé à me suivre. Elle a commencé à me soutenir. Elle a commencé à... La fille qui te vient me parler. Et quand pendant qu'elle cause avec la fille, la blogueuse la prend à clasher. Elle chérie, quoi tu dis non? C'est la vérité. La blogueuse la prend à clasher. Parce que c'est la blogueuse qui dit que tu ne connais pas, qu'on appelle la maman des beaux gosses, va clasher. Petite fille, Carole Bouen, notre général de l'Oumaya, l'État de l'Oumaya dit que est-ce qu'elle est une petite fille? Carole Bouen. Pour influencer quelqu'un, on n'a pas besoin d'être petit ou grand. Voilà pourquoi elle dit que dans les écoles, les enfants sont influencés. Il n'y a pas un âge pour être influencé. Je te dis que moi, j'ai influencé les femmes de la soixantaine, de la cinquantaine, de la quarantaine au Gabon. Moi, Lolo, je te le dis, j'ai influencé. Et parfois, je vous influence aussi. Ça n'a pas brillé, sa carte est grise. C'est Macabo qui crée sa carte grise. Et Macabo, on va te signaler à la police parce qu'elle n'a pas de permis. Oui, elle n'a pas de permis. Elle roule sans permis. Parce que si elle a le permis, c'est un faux permis. Et nous avons appelé la police que le permis qu'elle roule avec, c'est un faux permis du Cameroun ou du Centrafrique. Elle ne sait pas les liens qu'elle a pour conduire. Ce sera dangereux. Vous continuez. C'est comme ça que ça va se passer. Moi, je parle devant tout le monde. C'est Macron qui paie son assurance. L'assurance de sa voiture. C'est Macron. Voilà. Mais comme nous ne voulons pas les problèmes, on la laisse faire sa vie. Elle fait sa vie. On a beaucoup de choses sur elle. Quand elle vous dit maintenant, c'est vrai que je savais ça depuis. Je suis au courant de ça depuis. Mais je ne parle pas. Parce que c'est sa vie, elle a le droit de vivre, non? Mais à chaque fois, tu vois, en train de faire ta vie, ma soeur. Moi, je ne peux plus te clasher. On peut aussi faire tout ce que tu fais là. On peut faire tout ce que tu fais. Mais ce qu'on nous sait dire quoi? Même si tu es né avec nous, tu es notre compatriote, tu es venu te chercher comme nous tous. Tu voulais le vrai permis, le faux permis, je te regarde. Tu as dit qu'on lui demandait que c'est ta loi pour conduire. Pour toi, conduire, c'est un diplôme. Mais conduire, ce n'est pas un diplôme. Tu seras là à l'école, tu sais qu'on connaît ce qu'on appelle diplôme. Il y a des gens qui ont la phobie du volant. Il y a des gens qui ont la phobie du vide. Il y a des gens qui ont la phobie même de beaucoup de choses. Donc pour toi, conduire, c'est quoi? Même un illettré conduit, même un faux pour conduire. Il y a des gens qui ont la phobie du volant. Les milliardaires conduisent. Tu as besoin de l'autre au volant. Il y a des gens qui ne peuvent pas conduire parce qu'ils ont peur du volant. C'est la phobie. Ce n'est pas peut-être parce que tu es plus intelligent que ces gens-là. Ce n'est pas parce que tu es à l'école plus que ces gens-là. Non, c'est la phobie du volant. Si toi tu as eu l'été courageux de conduire, c'est bien pour toi. Mais ne prends pas la conduite. Tu as demandé moi un permis de conduire. Là, j'irai à notre école. Si tu me montres un permis de conduire, j'irai à notre école pour te faire plaisir. Parce que les femmes qui vendent le permis, qui n'ont pas le compte, sont contents de la voiture, le camion. Oui, c'est la vérité. Qui dit qu'elle n'a jamais vendu, qu'on en est là, les voix, ou elle me dit que son gars partait la compagnie. Elle me dit, dans les directs, son gars partait la compagnie, vendre le piment. Au lieu comme si le piment n'a pas bien piqué, elle me dit que les gens sont les vendeurs de piment. C'est la seule cible là-bas avec toi. C'est avec elle que tu dois clasher. Tu clashes la fille, moi, mais je vais partager, ça ne choque pas. C'est elle, moi, je ne parle pas derrière, je parle devant toi. Devant tout le monde. C'est elle que tu dois clasher. Parce que c'est elle qui a voulu t'entraîner dans le clash. Si tu as insulté ma yamse un jour, ça cause d'elle. Si tu m'as insulté un jour, ça cause personne ne m'a entendu. Elle dit que tu peux insulter ma sœur. Elle a le niveau de partir, Nana. Elle atteint. C'est son ami. Elle se connaît souffre. Que tu parles, parce que elle a lardé, elle était capable de dire au poids, parce qu'elle cherche le renfort. Comme elle forme les vampires, les clasheuses tous les jours. Elle a formé Bumkela, elle a voulu te former, elle a formé Marmac, elle a formé tout. Aujourd'hui, elle cherche encore deux personnes. Elle est partie porter le tas de graisse qui me caricature. Que quand tu la regardes sur le miroir, elle ne ressemble à rien. Elle me caricature. Le tas de graisse, que sa bouche, pardon, elle ne me cache plus. Elle aussi, elle est sur moi. Où est-ce que je la reprends? J'ai son temps. C'est pas moi-même. On ne se pas la même classe. Elle va être beau riche. Elle va être une dernière. Mais si on a passé, moi, comprends. On a déposé que le mot carrefour, que la voiture même s'accélère. Je ne sais plus même pas. Elle parle, ça rentre ici, ça sort là. Donc, Monica Thiers, je ne veux plus te voir en palabre. Si tu m'appelles ma mère, donc tu dois avoir le respect pour moi. Je ne veux plus que la seule personne que tu dois répondre, c'est Gonchal. Laisse-t-il tenir. Laisse-moi te pondre.
rêve bien et toi, vous êtes des mêmes générations. Mais rêve de son côté va se calmer parce qu'elle a envie de parler. Elle a parlé. Toi, tu as dit ce que tu as bâti. Maintenant, passez à autre chose.